Salut à tous, salut à tous les abonnés du Bushcraft Charentais, mais aussi tous les promeneurs du web et ceux qui suivent sur Facebook. Eh bien, là je finis l'ascension du Capucin au Mont d'Or en Auvergne. On peut voir, il y a pas mal de neige sur le massif du Sancy. Bon, moi j'ai choisi la rando raquette et sans raquette aussi, parce que il a pas mal gelé cette nuit, il a dû faire moins 6, donc la neige est plutôt dure encore. Il est à peu près 1h de l'après-midi, ça reste dur. Bon, ça n'a pas été facile, mais je pense que j'arrive au bout là. Je sais pas. Ouais, je pense que j'arrive au bout. Voilà. Je sais pas quelle vue je vais avoir là. Il reste un petit bout à faire. Ah, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Voilà, de ce côté-là, il n'y a pas de neige. Mais alors, côté Sancy, dès qu'on prend un peu d'altitude, là, il y a de la neige. Donc, sur le Capucin, il n'y en a pas trop. Un petit peu. Là, je vais monter. On voit qu'il y a un milan là qui. Un oiseau, un rapace, un milan qui tourne un peu. Et voilà. Et bien maintenant, je vais me faire une petite gamelle. J'ai emmené de quoi réchauffer un petit peu. À réchauffer un petit peu de la purée. Là, on voit qu'il y a des pattes d'isard. Je sais pas si on les voit à la caméra. Bon, elles sont pas récentes, mais c'est pas mal. Donc, Zoukzou, t'aurais pu venir, Zoukzou. Et voilà, je voulais vous faire partager un petit peu la fin de l'ascension et surtout le très très beau paysage sur le massif du Sancy. Là, on est pas mal. Alors si je suis un peu courageux, je retraverserai la forêt pour rejoindre les autres qui font du ski. Et puis je vais voir, comme c'est un peu hors piste là, je vais regarder sur la carte s'il y a une possibilité pour moi de couper. Bon, il y a bien 2 heures de marche, hein. À mon avis, ouais. Sinon, je redescendrai un peu dans la vallée et puis ça peut être très très sympa aussi. Très très sympa. De toute façon, je ne monterai pas jusqu'au Sancy là-haut. Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps aujourd'hui. Et ben voilà. Alors, bonne journée à tous.